Souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps de faire le sport, mais on a le temps de s'asseoir 2 heures, 3 heures de temps pour regarder la télévision. Je vous assure que tu n'as pas besoin d'une heure. Tu n'as pas besoin de 45 minutes. Tu as besoin de 2 heures. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Si tu viens d'accoucher, tu es une maman occupée, CEO, prends juste 20 minutes chaque jour. Je t'assure que la clé, en fait, le secret se trouve dans la constance. Ce que tu fais chaque jour de manière répétitive crée une transformation à l'intérieur de toi. Tu ne te rends pas compte. Au début, c'est difficile, surtout quand tu n'as pas le temps de le faire. Mais fais-le chaque jour de manière constante. Préférence à la bonne heure, à la même heure. Et je vais te donner une autre astuce, en fait. Choisis un rendez-vous que tu as. Ça peut être que lorsque tu déposes l'enfant à l'école, lorsque tu vas faire les courses, lorsque c'est le moment de je sais pas, d'aller rendre visite à quelqu'un. Et pendant cette période-là, ou quand tu finis de faire ce que tu as à faire, ben, cette marche-là, en fait, d'accord, est quelque chose, en fait, que tu... C'est un reward, en fait. C'est un cadeau pour toi. Tu le fais pour toi-même, en fait. Donc, tu vas déposer l'enfant à l'école et juste après avoir déposé l'enfant à l'école, de rentrer à la maison, mais tu vas marcher 20 minutes. That's it. 1 heure, 1 minute 13.